Comment ça va les zingues? C'est l'Austral en slip dans Aurora. Bah, il fait beau donc je me suis foutu en slip, ouais. Tiens, vous savez pas? Je vais vous donner du boobs. Non, je déconne. J'espère que tout va bien de ton côté. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ça. Voilà. Tac, je suis à Aurora, je suis en vacances, donc je me fous en bikini, puis c'est tout. Non, mais il fait chaud, donc hein, vous comprendrez. Puis ça va, c'est pas non plus. Je suis pas en string non plus, hein, ça va, c'est pas non plus. Tiens, regarde comme ça. Et voilà, plus que 17. On s'en rapproche. Cette musique orientale, chers amis. Tilala, tilala. Je vais fouiller hein, droite à gauche quand même. Apparemment, il y a un mob qui a spawn. Ouais, le chien a reniflé quelque chose. Je vais sûrement me faire attaquer par des saloperies loin d'être catholique. Je fouille, hein, il y a peut-être des trucs. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qu'on peut récupérer. Je sais pas à quoi ça sert, ça d'ailleurs. Je l'ai jamais fait entièrement, ça je crois pas. Il y en a plusieurs couleurs. Il y en a 30 de couleur orange, 30 de couleur bleue, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est relativement long et chiant à faire. Hein. Bon, on les trouve qu'à Aurora ces fleurs, donc l'un dans l'autre, vous allez me dire c'est facile, mais même. C'est quand même le bordel. En tout cas, t'as du flair, hein. Cabot. Au cœur. T'as du flair. Parce que pour renifler un truc à travers le sable, faut quand même y aller. Et l'argent n'a pas d'odeur en plus, donc. Ah, ça change de la vallée de Mist Peak, hein. Le chemin voilé, c'est ça? C'est la solution? Faut que j'aille au chemin voilé? Non, faut pas que j'aille au chemin voilé, donc on ira plus tard au chemin voilé. Le chemin lumineux, il est, je peux dire qu'il est fiable, hein. Putain! Ouah, c'est pas vrai ça! Hein. Regardez le truc qui s'arrête là! D'accord. Alors, pourquoi elle donne pas un autre coup? Oh. Les furies du désert, chers amis, dont les mouvements sont calqués sur les ninjas de Fable 2. Oui, ils ont exactement la même panoplie de mouvements. Elles sont intelligentes en plus, ces putes. Pas suffisant. Ça va faire mal, ça, une tornade dans une tempête de désert enflammée. Et voilà, tac. Ça va plus vite au fusil. Hein. C'est quoi ça? Une fleur? Ah non, j'ai halluciné. Les nuits d'Arabie, chers amis, en compagnie de l'Austral. J'aimerais bien qu'il nous fasse un Fable 4, les mecs. Si possible sur 360, pendant que c'est encore temps. Elle est épique cette musique. Ok, donc apparemment le chien renifle les fleurs comme étant des trésors. Apparemment, ce que j'ai cru voir. J'avais pas un tatouage sur le bras gauche, droit, moi. Attendez, je crois que j'avais un tatouage sur le bras droit, il a disparu dans les ténèbres. Comment ça se fait-il? Hein? C'est pas vrai, ça. Tatouage. Vous avez une culotte bouffante dans votre garde-robe. Ne rien porter d'autre serait un attentat à la pudeur. Mais oui, il a disparu le tatouage. J'avais tatouage là, non, mais bien d'accord. Tatouage de gitan, et j'avais un tatouage. J'avais un tatouage de. Non, pas gitan. Pas aurorien non plus. De l'ancien royaume, exactement. Il a disparu celui-là. Pourquoi il a disparu? Non, bras gauche. Non, j'avais ça sur le bras gauche et j'avais un tatouage. Putain, mais c'est chiant ça. C'est quoi ces bugs? Pourquoi ça disparaît les trucs?
Ah putain, puis cette interface de merde, putain, j'aime pas ce menu, sans déconner, j'aime pas. Ils auraient pas pu faire un truc avec des barres de sélection, tout ce qu'il y a de plus lambda, et comme ça, l'autre connard, il me ferait pas chier à chaque fois que je viens ici. Donc là, c'est l'ancien royaume, et gitan, c'est bras droit, c'est ça. Machin bras gauche et gitan bras droit. Ah, mais j'y tiens, moi, nature, on s'en fout. Gitan bras droit. Voilà! Je sais pas pourquoi il me l'a enlevé. Dans le dos, je pourrais même faire claquer un truc aussi dans le dos. Je crois qu'il y a des tatouages dans le dos, des fois c'est classe. Voilà, c'est une encre de marin, ça fait bouffe, ça fait routier. Ça, c'est pas mal ça. Enfin, c'est pas mal, c'est. Buste d'eau. Bah, tourne-toi, Benoît. Benoît, tourne-toi! Ouais, ouf. Non, laisse tomber la neige. Laisse tomber la neige. Allez. Bah, j'aime pas la couleur qu'ont ces tatouages bleus, c'est débile. J'aurais préféré des tatouages orange ou noir. Tant pis, c'est pas grave. Je crois que les tatouages orange, tu peux en avoir des rouges en fait, mais pour ça, faut être maléfique. Et moi, vu que je suis bon, forcément, j'ai des tatouages bleus et c'est pas terrible. Bah, c'est magique quoi, donc. Oh, t'as voulu m'embrocher, mais je t'ai esquivé la pute. Mais c'est quoi, elles ont des serpents sur les bras ou quoi là? J'entends des bruits de serpents. Ah, elles sont agiles, les salopes. Et elles sont robustes. Extrêmement robustes. Faut dire que j'ai pas une épée. Oh, je l'ai niqué. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai déniqué en plein vol. Elles ont des arbalètes, elles. Détends-toi la pute. Arrête-moi ta gymnastique rythmique et sportive. Come into the ring of fire. Et voilà. On va boire un coup quand même parce qu'il faut pas déconner avec ça. Ok, allez, je suis le chemin lumineux qui m'emmènera vers d'autres cieux. Ah, ta gueule! Et voilà. Vous savez ce que je préfère chez les gens? C'est quand ils meurent. Je crois que t'es à gauche, toi. Ah, t'es là. Petite salope. Si j'avais un ami comme vous, je pourrais lui confier tous mes secrets. Par exemple, que je vais vous brûler. Allez hop, tiens. T'auras pas fait de vieux autres. Je suis déçu au niveau des tenues. J'aurais bien aimé ça. Je l'ai déjà 15 fois ce truc là. Mais bon, ça va se revendre. Ah bah écoutez, c'est parti. À Miami, l'aventure nous attend. Palais de Sandfall. Voilà, les chutes de sable. C'est joliment dit. C'est joliment dû. C'est joliment dit. Pas dû. Bye. Ok, ben écoutez, un nouveau donjon. J'espère que il y aura de l'argent à récupérer ici. Bah déjà le but de la quête c'est ça, hein, c'est de ramener un joyau rare ou je sais pas quoi là pour pouvoir le revendre au marché noir. Et donc en plus de l'objet de quête, j'espère qu'il y aura pas mal de fric. Hein. J'en ai besoin, j'en ai grandement besoin. Les caisses du royaume s'assèchent, s'appauvrissent. Une peinture, penses-tu d'un bordel toi? Je me rappelle pas avoir eu autant de peinture dans ma première partie. Faut savoir que j'ai fait les mises à jour en achetant des DLC depuis le temps, hein, parce que la première fois que j'avais joué à Fable, j'avais pas les DLC, j'avais pas la mise à jour. Et peut-être que ça a été rajouté via les DLC, toutes ces peintures là. Parce que je me souvenais pas qu'il y en avait déjà dans le jeu de base, ces trucs là, tu vois. Tac. Tilat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 
avec un physique qui est plutôt redoutable parce que ça les two shot. Hein. Ouais, elle pour le coup ça la three shot, mais ok, donc du coup c'est pour ça, il faut que je me dépêche pour shooter les deux trucs. J'aime pas ces trucs là, en plus c'est du temps là, donc c'est casse du viande. Ah, je l'ai eu. Me dis pas que je l'ai pas eu. Genre je l'ai pas eu le deuxième. Là genre je l'ai pas eu quand il est venu là. J'aime pas ces trucs là putain. Ah, qu'est-ce que je fais? Je rentre par là ou ouais apparemment je vais rentrer par là. La quête c'est par là-bas donc on va déjà passer par là. Ah, un trésor, ça fait plaisir. J'espère que je vais pouvoir faire toutes les quêtes hein, à Aurora avant de continuer l'aventure principale. Petit tapis aurorien, je prends. Donc c'est l'épisode 34, chers amis. Normalement, dans 10 épisodes, à l'épisode 44, il y aura le dernier. Hein. Je dis ça, mais peut-être que j'ai mal compté et peut-être que du coup, il y aura 50 épisodes. Hein, ça se peut aussi. Si je vois que l'épisode 44 dure 6 heures, je vais peut-être en faire... je vais peut-être me résigner à en faire plus. Hein, voilà. C'est vrai que je vais essayer de conclure sur l'épisode 44, un épisode de je sais pas, de peut-être 1h30 ou peut-être 3 heures max, hein, comme sur les... Fable 2, ça serait bien. Mais j'ai encore pas mal de choses à faire. J'ai un DLC encore à faire également. Donc ouais, je pense que là au stade où ça va, je pense que l'épisode, je vais essayer de rallonger un petit peu la durée des épisodes. Je passe à 40 minutes. Oh, je sais pas. J'ai rien dit, ça au moins. Ah bah tiens, c'est des fleurs ça. Ouais. En plus vous avez vu, ça a même pas une gueule de fleurs hein, donc vas-y amuse-toi quoi pour les trouver les trucs. Non mais vas-y putain, je voulais creuser moi, seulement il est deux de tension ce putain de clébard. Il était beaucoup plus efficace dans Fable 2 le chien, hein. Je te le dis hein. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il fait putain? Il est complètement ravagé ce clébard. Ici je vais me faire attaquer par toute une smalade tocard. J'aimerais bien aller fouiller quand même dans l'eau parce que là-bas je vois des remous, donc je vais aller fouiller dans les remous. Petite oasis en caverne là, c'est sympathique. Une perle rare, ça fait plaisir, ça fait plé-plé, ça fait zizir. Une plante rare aussi. Pff, je vais jamais réussir à les avoir toutes ces plantes de merde. Je dois en oublier la moitié. Il y en a tellement, vous me direz que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a vu lui? Putain, il me saoule, je te jure qu'il me saoule. Dépêche-toi. Dépêche-toi parce que là, sinon, tu vas te la prendre la fessée. Ok, merci. Bang, un coup de pelle dans le chien, sans aucune forme de pitié. Un rubis rare, putain, ça devra... Je pense que ça va se revendre une fortune, ça. Ça fait plaisir. Ici je vais me faire attaquer par toute une tribu de salopards. Je peux pas plonger dans l'eau, il n'y a rien à récupérer dans la flotte. Si si, il y a un truc, c'est bien ce qui me semblait. Ça aussi pareil, ça c'est un souvenir que j'avais. Il y avait bien des trucs à récupérer ici. Ah oui tiens, je vais essayer un truc. Binocle m'a dit le pouvoir le plus fort c'est Alors c'est pareil hein, c'est pas parce que c'est le pouvoir le plus fort que c'est celui avec lequel je vais jouer. À ce compte là tout le monde joue pareil dans Fable. Si tout le monde joue avec le matos le plus fort et les meilleures tenues, enfin il n'y a pas de système de tenue, mais vous m'avez compris quoi. Si tout le monde joue avec le meilleur stuff, etc., etc., tout le monde joue pareil en fait, donc c'est pas intéressant. Le but du jeu, c'est un jeu d'action-aventure à composante RPG, donc il faut quand même pas oublier la deuxième partie. Donc il m'a dit que le sort le plus fort c'était ça. Avec ça. Putain, j'arrive jamais à. Donc là il faut que je le mette sur choc. Mais non putain, mais alors attendez, je comprends pas comment c'est foutu. Boule de feu. Non mais sans déconner, boule de feu et choc. Plus boule de feu, voilà. Putain, j'aime pas, c'est mal foutu. Oui bah c'est... Oui. Mais je vous emmerde, c'est mal foutu leur truc, c'est mal foutu, c'est tout. Ah non, sans déconner. Alors apparemment ça c'est le plus fort. C'est le pouvoir magique le plus fort du jeu. Donc là j'ai pas le temps de les charger au max, je suis désolé. Ah oui effectivement oui. Ah oui effectivement c'est craqué oui. Ah bah oui ça les brûle et après ça les électrocute. Effet qui se coule, double.
Effectivement, c'est Krakos. Oh ouais. C'est... Je pense que lorsque Bob Lennon, si Bob Lennon a joué à Fable 3, quand il a fait ça la première fois, il a dû dire « C'est métal !» Je pense qu'il a dû dire ça. Putain, mais on peut pas sauter par-dessus ces putains de balustrades, ça fait chier ça. Saute dans l'eau, putain! Non mais vas-y, genre faut que je fasse le tour pour sauter dans l'eau. Non mais c'est incroyable ça. Mais saute dans l'eau, elle veut pas sauter dans l'eau la meuf. Non mais vas-y, ça c'est casse-burne, putain. Alors par contre, s'ils font un Fable 4, j'espère que ça va être amélioré. Et j'espère que ça va aller dans Fable Anniversary quoi, j'espère que les persos sont moins rigides. Non mais vas-y putain, puis l'autre qui vient dans mes pattes. Non mais voilà, pour aller là, chercher le truc dans la flotte, il faut que je fasse tout le tour parce que madame elle est pas foutue de sauter par-dessus cette barricade de merde. Non mais tu crois ça? Est-ce que tu le crois? Moi je le crois pas. Bah, mais j'ai raison de pas le croire aussi quelque part. Pff, non mais sans déconner quoi, lourd quoi, lourd, 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 lourd. Son père était quand même moins... Pas tout. Et tout ça pour ça, merci. Je vais en profiter pour regarder si c'est rien d'autre parce que ça me ferait chier de trouver encore un autre mot un peu plus loin. Ok, je crois que j'ai tout regardé. Apparemment j'ai tout fait. Il y a moyen de monter par là. Ah, peut-être moyen de monter par là. Eh ben non, on peut pas monter par là. Voilà, faut que je fasse le tour. Putain de ta race. Lourd, 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 lourd. Ça c'est lourd. Hein. Franchement, ça c'est lourd. Bon, j'ai rien oublié dans l'eau là maintenant que j'y suis parce que bon. Et là, il y a pas un truc à fouiller ici là. Dépêche-toi, le chien! Putain, hey. Oh. Putain, il est débile. Il est débile, hein? Non, mais il est débile ce clébard. Regardez-le, il prend son temps tranquillement et tout. Nanani, nanani. Dépêche-toi! Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc où creuser. J'ai encore des souvenirs. Je suis même meilleur que mon chien, putain. Sans déconner. Oh la vache, le clébard, quoi, putain, je te jure. Ouh, lourd! Au cœur 2 était beaucoup plus efficace. Et au cœur 1 aussi était beaucoup plus efficace. Au cœur 3, tu es de la merde. T'es de la merde au cœur 3. T'es de... Oui, bah, c'est pas la peine de me regarder comme ça. T'es de la merde. Un tatouage de gitan sur le dos. Tiens, je vais aller regarder de quoi il retourne. Un tatouage dans le dos, ça peut être sympathique. Disponible. Ah oui, Jasper, si tu veux, si tu veux. Je m'en fous. Ferme ta gueule, merci. De gitan. De gitan, de gitan. Tatouage de la nature. Tatouage de mercenaire. Tatouage de gitan. Et dans le dos, et dans le dos, et dans le dos, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? C'est pas celui que j'avais déjà vu. Mais si, c'est celui que j'avais déjà vu, je crois. Ouais, c'est... Oh putain, non, enlève-moi cette merde. Ouais. Non, c'est laid dans le dos, c'est laid. Ok, bah écoutez, c'est pas grave, hein, un truc que j'avais déjà débloqué. Ils auraient pu rajouter ça dans les mises à jour. Des tenues, des tatouages, des coupes de cheveux, des machins comme ça. Les mises à jour, c'est fait pour ça à la base. Ils auraient pu rajouter ça, hein, sans déconner. Hein. Ils sont pas fait chier. Hein. Lionhead. 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 Pardon, j'étais bloqué. Hop, ramassé. Les échelles ont de multiples usages et sont très utiles si l'on essaye d'assaillir un château ou de nettoyer les gouttières. Ah, mot Sislac. Celui qui grimpe dessus doit s'assurer qu'elle est parfaitement équilibrée et correctement inclinée. Une tierce personne doit être présente pour observer le grimpeur. En outre, cet observateur doit veiller à se tenir à l'écart de l'échelle et non en dessous. Dans l'idéal, il doit pouvoir se déplacer rapidement au cas où le grimpeur ferait tomber accidentellement un très gros maillot de mousse. Allez, on va essayer de le charger au max. Avant de mourir, ça serait bien. Allez, encore un! Energizer. Ok, et par là-bas. Il y a sûrement des plantes, hein. Je passe sûrement à côté des plantes, à droite, à gauche. Ah, tant pis si j'en oublie la moitié. En tout cas, c'est chouette, hein. J'aime beaucoup. Ces espèces de cavernes orientales. Non mais le chien il vit vraiment. Non mais franchement, franchement sans déconner. Mais franchement sans déconner. Franchement sans déconner quoi. Là il y a vraiment souci avec ce clébard. Hein. Il prend de la drogue, je sais pas ce qu'il fait dans mon dos mais. Les canigous à la coke, ça va 5 minutes.
Sympa ce petit lagon là. J'aime beaucoup. On peut se rafraîchir ici. L'Austral en vacances. Ah putain. Ça me donnerait presque envie d'aller en Tunisie, ces conneries. Ouais, j'irais bien en Tunisie, ouais, carrément, carrément, carrément. J'aurais jamais dû dire ça. Palapapalapam. Pam. Ah, une plante rare. Et un coffre. Le chien, tu sers à rien, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, là, tu peux aller te coucher. Non, mais ça sert à rien, c'est tout. C'était de la merde, t'es de la merde. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Sur les bustes, ça peut être sympathique. Ça dépend où ils le foutent. Si c'est un gros tatouage sur les seins, c'est pas la peine. Aurorien sur le buste, m'a-t-on dit. Sur le buste, sur le buste, sur le buste, c'est pas là l'ancien royaume. Il est où? C'est là, Aurorien. Okay. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça, regarde. Oh non, c'est le lait. Je suis fou. Non, dans le dos, ça par contre, dans le dos, ouais, pourquoi pas dans le dos. Mais là, ça fait une espèce de soleil à la. Pour ceux qui connaissent le catcher Edge, il a un tatouage sur l'épaule gauche, une espèce de soleil un petit peu aztèque, un petit peu inca, on sait pas trop ce que c'est, mais. Ça, c'est un petit peu ça, ça me fait penser à ça en fait. Ok, bah écoutez, on va continuer d'avancer. Apparemment, vu que la caméra, c'est bien ce qui me semblait. Ah bah non, c'est carrément un. Carrément un indo de jardin. Alors là par contre il est hors de question que je revienne ici en off. Donc il va falloir que je trouve là maintenant. Pardon. Comment tu parles? Il n'y a que moi qui ai le droit de lui dire ça. Ou je suis au clébar. Je sais pas où il est Je sais pas, il est peut-être au dessus hein. S'il est pas là c'est qu'il est au dessus de toute manière. Palapapalapam. Je vais le chercher, hein. Je vais mettre le temps qu'il faut, mais je vais le trouver parce que j'ai pas envie de revenir ici en off. J'ai pas envie de revenir ici en off. Putain, je suis obligé de me mettre en FPS parce que je vois rien du tout. Bon, ok, je le vois, c'est bon. Très belle journée, n'est-ce pas? Sauf à l'endroit où vous vous trouvez. Par contre, je peux pas le shooter d'ici. Putain, c'est chiant ça. Comment ça se fait que je peux pas le shooter d'ici? Ah, puis là, il est trop bon. Faut que je monte, toi. Calme-toi, Christina. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as fait? Et là, il y a quoi ici, là, derrière ça, là? Y a pas un truc ici? Non, rien du tout. Le chien, il est où? Il arrive? Non, mais il est chiant, le chien, putain. L'autre, ça y est, il y a de l'eau, il bug, là. L'autre, il y a de l'eau, ça y est, il sait pas nager ce corps. Putain, viens ici pour me dire s'il y a un truc creusé ou quoi. Putain, c'est pas vrai ça. Putain, il est lourd. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la grotte dans cet épisode. Hein. Il est hors de question que je fasse ça en deux épisodes. Je vais finir la grotte dans cet épisode. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ça sera l'épisode 34, si je dis pas de conneries. Ouais, épisode 34. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez la fin de cette mission. Et donc le nain il est juste là, d'accord, en fait il fait juste de suivre la route. C'est complètement pété le Energizer là. C'est complètement pété le Energizer. Ah putain je l'avais pas vu. Dire qu'elle a la même couleur que le sol, l'autre, tu sais. T'imagines, t'aurais la même couleur que ton carrelage, toi. Tant que c'est pas le carrelage des shots, ça va, mais. Hop là. Il n'y a pas un combat de boss ici. Enfin, un boss. Je vais me faire attaquer par toute une ribambelle de salopes, mais. J'aimerais bien me faire attaquer en vrai par une ribambelle de salopes. excusez-moi. Je craque, ça m'arrive de temps en temps, ouais, c'est vrai. Bah, je suis un bonhomme, je suis un mec, hein, donc je suis aussi con et aussi obsédé qu'un mec. Hein, donc... Tac. Voilà, ça fait plaisir. Je suis le maître des clés, 29 sur 50. Ok, ok, ok. Avec mon chien qui est bugué, je peux dire que je suis pas prêt de les trouver, les clés. Hein. C'est spécial, hein, regardez-moi ça.
En bas, on sait pas trop si c'est un bug de texture ou si c'est du sable. On sait pas trop où on est en fait. Ok, on est dans le désert. Ouais, je te jure, c'est le même désert que dans Borderlands 2, quoi. The Dust. C'est exactement la même chose. On va voir Salvador qui va passer en bagnole, tu sais. Tu sais, avec un hélico qui le poursuit, tu sais. Et le mec. Pour ceux qui ont joué à Borderlands 2, les pilotes d'hélico. Allez hop, je ramasse ça. Tac. L'étoile du désert. Ça coûte cher, ça. Par contre, c'est une malédiction. Et je vais subir les foudres du pharaon. Et bang. Et voilà les foudres du pharaon. Ta gueule, toi. Energizer, la pile. La moins chère sur le marché, la plus performante. Les pubs sur Austral TV, en veux-tu, en voilà. J'ai remarqué, je fais plus de pubs sur ma chaîne que sur les autres chaînes de gameplay, hein, sans déconner. Malgré le fait que je les ai enlevés au début de mes vidéos. C'est la pub sans la pub sur Austral TV. Bah, c'est l'alternative quelque part. Hein. C'est un nouveau concept, hein. Allez, du combat à l'épée, c'est ce que vous voulez, les mecs. Ah putain, j'ai besoin d'aide. Et ça, c'est des ombres que j'ai invoquées. Alors, vous avez vu, ce ne sont plus des hobs, hein, maintenant, les ombres que j'ai invoquées. Hein. C'est passé au niveau supérieur. Hein. Et quelque part c'est bizarre parce que t'invoques des ombres, mais les ombres c'est ton ennemi principal dans Fable 3, j'ai pas compris. Petit souci scénaristique. Je sais pas comment je l'ai tué, mais je l'ai tué. En tout cas, toujours est-il que c'est largement suffisant. Il y en a encore, hein, je crois. Ici c'est un combat qui dure pas mal de temps, je crois. Il me semble que ce combat est beaucoup plus long que ça normalement. Donc je vais rester sur mes gardes. Trésor ici, peut-être une clé en argent. Ah non, juste un. Ok. C'est marrant parce que la musique elle est restée en place en fait, vous avez vu? Apparemment pour ressortir de la caverne c'est par là-bas, c'est par en 12 juin, mais bah écoutez, on va fouiller. Ouais, bah j'ai bien fait de fouiller. Energizer, la magie du pneu. Le mec qui confond tout, tu sais. Damn! C'est vrai que c'est craqué. Hein. Putain, elles sont redoutables, hein, ces saloperies. Hein. Faudrait pas qu'il y en ait plus parce que sinon ça pourrait me foutre dans la merde. Ah, c'est surtout qu'à l'épée, voilà, elles esquivent tout. C'est pas forcément évident. Elles sont mortes. Ouais, c'est bon. Elles sont mortes. Du pognon. Un slip sale. Hein, Gérard, ça fait plaisir. Putain, il y a pas mal de pierres précieuses dans cette caverne. Bah, faut me dire, ouais, je suis en train de piller l'Egypte là, donc, quelque part. Je suis quand même un salopard, hein, ce que je suis en train de faire là. C'est de la profanation de sépulture, ça s'appelle comme ça. Hein. C'est juste un des trucs les plus immoraux qui existent, quoi. Tu sais, les mecs Indiana Jones, les mecs comme ça, là, les archéologues, là, cherchaient le nom. C'est quand même des sacrés enculés, hein, parce que on va me dire c'est pour l'histoire, c'est pour connaître l'histoire. Ouais, c'est pour l'histoire, mon gars, les premiers archéologues, je peux dire que c'était pas pour l'histoire, c'était pour s'en foutre plein les poches. Hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est quand même des sacrés enfoirés. Imagine qu'un mec il vient piller la tombe. Imagine, on enterre ta grand-mère avec, je sais pas, une bague qui lui est extrêmement chère à ses yeux. Enfin, un objet qui a extrêmement de valeur à ses yeux et également de la valeur, de la vraie valeur. Hein. On enterre ta grand-mère avec une bague qui vaut 10 000 dollars parce qu'elle l'a demandé, parce que c'est une bague qu'elle trimballe depuis qu'elle est gamine. Et t'as un mec qui vient, il déterre ta grand-mère, il prend la bague et voilà. Franchement, bah c'est ça les archéologues. Hein. À part ceux qui sont là pour l'histoire, rien que pour l'histoire, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup des idéalistes. C'est des pilleurs de tombes, c'est des sacrés enfoirés. C'est comme les mecs qui sont allés piller les jeux, le Titanic, l'épave du Titanic. Parce qu'il faut savoir que ça, pendant des années, ça a été une chose, comment dire. Une pratique exercée et des gens voilà qui prenaient des qui avaient les moyens de le faire, faut quand même se payer les moyens d'aller fouiller les papes titaniques, mais il y a des gens, donc une fois de plus c'est des riches qui vont voler de l'argent à d'autres riches en fait, voilà, mais à des riches morts, donc là c'est complètement glauque, mais c'est juste immoral quoi, les mecs qui ont fait ça, mais comment ils font pour se regarder dans un miroir quoi. Non, c'est la profanation de tombe, ça c'est le genre de truc que j'accepte pas. Quoi. Les gens morts, faut les laisser tranquilles.
Voilà, bref, sur ce, alors je suis repassé par là plutôt que de prendre le raccourci par là-bas. C'était pour voir si j'allais pas me faire attaquer par d'autres bestioles. Ok, la musique elle est complètement ténébreuse. Je sais pas comment cela se fait. Bah écoutez, on a plus qu'à se barrer de cette grotte. Je vais me faire attaquer. C'est marrant, hein. Ah, pourtant j'ai bien fini la mission. C'est marrant que la musique, c'est une musique de spawn de mob. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ah, j'ai alerté tout le royaume d'Egypte là. Oh, je me suis pris une balle dans l'épaule. C'est ça de s'en prendre à la reine, hein. Quelque part. Bon, c'est vrai que j'ai pas l'air d'une reine là, en bikini comme ça, mais. En bikini et en collant. Mais j'en suis une, je suis la reine de. Votre reine d'ailleurs. Puisque le royaume d'Aurora fait partie du mien maintenant. Allez, venez, bande de petites salopes. Venez goûter au pouvoir Energizer. Hein ? Oh là, ça va faire mal. Et voilà. Je vais me soigner quand même parce qu'il faut pas déconner. Pam 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 pam. Ouais, je fais la musique par-dessus pour que ce soit encore plus épique. C'est ça le budget sur. Il y a du budget sur Austral TV. Voilà, on a tout fouillé, on peut se barrer maintenant. Sans scrupule. Bah écoutez, on va retourner à la ville d'Aurora, je vais visiter le désert là. Je vais regarder s'il y a des quêtes, je vais faire ça à la fin. Bah ici maintenant, tout de suite là. Tout de suite et maintenant. C'est bon ? Musique calme ou pas musique calme ? Je vais regarder s'il y a des quêtes à faire dans les parages. En réalité, je ne compte pas rusher le scénario principal parce que j'ai pas envie de perdre 6 500 000 morts en fait. Enfin, d'avoir 6 500 000 morts sur la conscience. Et parce que là, vu comme c'est parti, je suis mal barré pour réunir le pognon, très sincèrement, les mecs, je sais pas comment je vais faire. Palala, 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 la ville d'Aurora, sable mouvant, alors, quest, il y en a pas ici, et il y en a pas ici, ok, il faudra que je revienne plus tard, normalement, par contre, il y en a une, là. Ah, mais c'est la porte démoniaque, ok. Bah écoutez, je vais rentrer à pied, comme ça mon chien pourra peut-être trouver des trésors. Là je vais beaucoup plus monopoliser le voyage manuel, comme j'aime à appeler ça, même si un voyage ça peut manuel ça veut rien dire, mais voilà, on va optimiser le voyage comme ça en fait pour enfin on va préférer ce type de voyage pour optimiser justement nos chances pour trouver des trésors, de l'argent, des machins comme ça. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Peut-être falloir que je pense à arrêter cet épisode aussi. Moi. Une perle, ça fait plaisir. Je vais avoir pas mal de trucs à revendre au prêteur sur gage d'Aurora. Là-bas, il y a un chemin qui s'appelle le chemin voilé, mais nous y retournerons, chers amis, plus tard dans l'aventure. Et puis, si je continue là-bas, sous cette arche, très sincèrement, je crois que ça va m'emmener à... Talala, talala. Quoique, attendez, j'ai un doute affreux, les mecs. Je vais aller visiter... Je vais aller voir jusque ce qu'il y a là-bas sous cette arche. Parce que moi je suis parti par là-bas. Là-bas c'est le chemin voilé, c'est une zone où il y aura une mission. Je reviendrai plus tard. Mais avant toute chose, je voudrais regarder un truc. On peut pas passer par là, ça m'emmerde. Je suis obligé de faire le tour de cet amas rocheux. Pam, pam, la musique est ténébreuse. Ah, mais je suis déjà passé par là, je suis déjà allé voir. Ouais, ouais, en fait c'est Keblo ici, ok, ouais, c'est tout. Non, parce qu'en fait, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez de la zone dans laquelle Walter était aveugle et j'ai dû traîner Walter dans le désert. Là. Dans l'épisode 30, si je dis pas de conneries. Bah, c'est la zone qui se trouve là-bas derrière cette arche et je crois qu'on peut plus y retourner maintenant. C'est dommage. J'espère que j'ai rien oublié là-bas. Hein. Parce que je peux plus y retourner maintenant, c'est ballot. Bah écoutez, temps de chargement, on va se quitter là pour cet épisode, chers amis, et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était l'Austral en direct des déserts d'Aurora pour Austral TV, l'alternative. Allez, ciao les mecs. À la prochaine.